qui sera récupéré par Yacoub Yerjabek. Yerjabek, lui aussi, cafouille en défense et deux erreurs là qui ouvrent la porte et le but! Rask également, et lorsqu'on complète la séquence, Williams qui rate une occasion en or, mais Durevers va repérer Teravainen, lui, de l'autre côté, qui complète le travail, trompe la vigilance. À la droite de Price, Teravainen à nouveau à Falk. Cette fois, c'est la passe à Rask, le tir, l'arrêt, le but! Filet ouvert sur le retour. Face à David Schlemko, il faut dire que le retour était vif. La passe de Falk pour Rask qui décoche un tir sur réception. J'ai l'impression que Rask n'essayait même pas de marquer. C'est un tir vif, hors à la glace, pour un retour de lancer, ce qui s'est produit. Voilà Byron à Petrie. Le tir à la but! Non, la rade à toute main. Alors l'arbitre aussi fait des gestes contradictoires ce soir. C'est 2-1. Et si le tir initial frappe le poteau, ce sera donc Charles Hudon qui vient d'inscrire le Canadien au pointage. Bel échange derrière la ligne des buts de Hudon à Byron. Le tir de Petrie à travers une circulation dense. La rondelle frappe les deux poteaux et Hudon n'a qu'à déposer cette rondelle dans le filet abandonné. C'est Megan, pardon, là la rondelle revient. Gallagher, le tir à la but! Autour du Canadien de profiter des lacunes des Hurricanes, alors que Megan, lui, tente une sortie de territoire en plein cœur, en plein centre de la patinoire, du revers d'une passe molle. Brendan Gallagher, lui, ne fait ni une ni deux. En se retournant sur lui-même, décoche. Yerjabek dans le coin. Voilà maintenant le plaquage et le tir. Enfin, on file à ouvert et le but! Les Hurricanes qui répliquent. Va la faire dévier. C'est bel et bien Skinner à une main qui va pousser cette rondelle derrière Price. Le travail de Ryan, le tir de Hanifin. Hanifin, en fait, tentait de rejoindre Skinner. Et la rondelle est rejetée à la ligne bleue de Montréal. Victor Mété reprend. Il la redonne à Teravainen. Teravainen s'avance, le tir et le but! Comme il le fait si souvent, bien patiné pour récupérer une rondelle. Faiblement du revers, utilise la rampe. Teravainen, lui, en profite. Ben, il aurait peut-être fallu nous avertir que le match des étoiles était commencé. C'est quoi? C'est 4 buts en un peu plus d'une minute? 6 pieds 2 quand même, Slavin. Hudon rate son premier tir. Sur le deuxième, c'est 4-3. Byron et Pacioretty viennent aider Hudon, qui agissait comme joueur de centre. Et le travail de Hudon pour récupérer la rondelle alors que Byron avait vu son premier tir bloqué. Il a raison de Ward embêté par la présence de Pacioretty. La mise en jeu est gagnée par Hudon et Petrie s'empare d'Arondel. Il s'avance. Le tir et le but! Mise en jeu remportée par Hudon, mais le travail de Pacioretty. C'est un travail d'équipe, une mise en jeu. On l'a vu sur le deuxième but de Hudon, troisième du Canadien. On le voit sur le quatrième but du Canadien, alors que Petrie, lui, s'active. Et par Deslauriers. La passe pendant va vers Stempniak. Et voilà un 2 contre 1 mené par Hanifin avec Skinner. Hanifin vers Skinner. Et la rondelle est libre et le but! Pour une raison un peu inconnue qui s'avance en territoire offensif et qui ouvre la porte à une relance. On le sait que la transition du côté des Hurricanes, elle est bonne. Elle est efficace. Hanifin lui a le champ libre, amorce l'attaque. Price coupe la passe initiale. Nordstrom qui s'amène à la mise en jeu, Drouin l'emporte. La rondelle, oui, va finalement revenir à Petrie, à la ligne bleue. Ça n'a pas été facile. Le tir de but! Oh, et je pense que Pacioretty a fait dévier. Le travail dans le cercle des mises en jeu a été important sur plusieurs séquences dans ce match pour le Canadien. Au moins 3 buts directement. Résultat, alors que les joueurs sont tributaires du travail dans le cercle des mises en jeu, Pacioretty fait habilement dévier. Aura souri au Canadien. Voilà Justin Williams derrière à Teravainen. Le tir et le but! La transition et la relance. Et Justin Williams va faire dévier cette rondelle alors qu'il avait amorcé le travail. Teravainen décoche un tir. Regardez bien. Juste ici. Ah oui. Mettre fin à ce match absolument fou. Je pense que le terme n'est pas trop fort. Et le problème pour le Canadien, Marc, c'est que à force de combler les déficits, ben, t'ouvres la porte à un adversaire qui, au volume, sort gagnant de cet affrontement.